l'évolution du quartier comme ça, bon, depuis 76 jusqu'à maintenant, là c'est maintenant que ça commence à s'activer un peu. Ça s'activer un peu, commence à s'améliorer, on commence à faire des bosses comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent plus vite et puis tout. Ben, je trouve que c'est bien. Mais avant, c'était pas ça, c'était un peu. La ZIP, il était un peu oublié dans un sens. Les travaux, ils vont faire la maison du jeune neuve, ils vont faire une salle, c'est qu'est-ce qui est sur le plan, une salle de jeunes comme ça, que ce soit pour les groupes, que ce soit pour les familles de faire les noces dedans, que ce soit pour toute la ville, c'est pas pour la ZIP, c'est pas la ZIP, c'est pas séparé de la ville. Et puis il y avait la passerelle comme ça qu'ils vont faire, et puis plus l'esplanade qu'ils vont faire comme ça selon le plan, c'est bien. Si on investit quelque chose, on investit pour quelque chose de bien, pour tout le monde. Bon, les choses négatives, moi je ne vois pas de choses négatives pour l'instant. Donc il n'y a que des choses positives pour l'instant. Mais là, on va voir à la fin de réalisation et tout ça, parce que de mieux en mieux, comme ça on voit la ZIP qui s'améliore, hein, de petit à petit.